Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène sur une des plus belles balades gravel que je connaisse. Et je me suis trompé de chemin. C'est pas du tout par là. Ouais, donc je disais, avant d'être grossièrement interrompu par une erreur de parcours, je vous emmène faire une de mes balades préférées dans mon coin. C'est une DFCI, une route de surveillance incendie, qui passe au-dessus de Montau. Ouh, caillasse là. Ouh. Aujourd'hui, on a un ciel partiellement couvert et je trouve que ça met en valeur les reliefs, les couleurs. On verra comment ça sort à la GoPro. Pour l'instant, moi, à l'œil nu, j'adore. Le seul inconvénient de cette journée, il y a du vent. Des rafales à 60 km/h. Il n'est pas exclu que je les ai de face. Pour l'instant, tout va bien. On arrive sur le début de la montée de la DFCI. Et vent de face sur cette montée qui n'est pas évidente parce qu'elle est caillouteuse. Donc on va y aller méga mollo. Le dénivelé est pas ouf. Pas la pente. 9%, 8%. Il y a des pointes à 15%. Là, il y a un petit replat. Ça fait du bien aux cuisses. 5-6% là, 7, 6. Donc c'est un replat. Hein. Heureusement que c'est joli. Hein. Ah, le GPS, il a du mal. Hein. Là, il dit 4%. 0, 2. Ouais. Moi, je crois pas que c'est 0 là. 10, 8. Il sait pas où il habite. En fait, le GPS calcule la pente pour chaque caillou. C'est pour ça que ça varie beaucoup. Saloperie de côte. Bref, c'est joli. J'adore venir ici. Ça a été ma première balade vraiment gravel. Oh, c'est beau à gauche. Ah, pas malheureux là. On va aller voir la capitale. La capitale, c'est une petite maison de berger ou de stockage en pierre, comme ça. Et c'est trop mignon. On dirait deux yeux, une bouche. Bon, faut avoir de l'imagination, mais j'en ai beaucoup. Là, on a la citerne de l'association Touche pas à ma citerne. Voilà. Ça, c'est bien la classe. C'est très marrant parce que les descentes comme ça dans le pass, bah on est ralenti comme si on freinait de ouf. C'est très très bizarre comme, comme sensation.
la bonne montée avec le vent de face, eh ben, quand en haut, on se prend le pic Saint-Loup et l'Ortus, eh ben, c'est pas grave. Déjà fini, c'est un tour assez court, il fait une trentaine de kilomètres, ça grimpe un peu, il y a de la caillasse, c'est joli, on fait des photos, donc ça prend un peu de temps, si on sait prendre le temps. J'ai un petit rayon de soleil pour dire au revoir, donc c'est parfait. Je vous dis à très bientôt, à très vite, faites du vélo, sortez, bougez-vous et prenez du plaisir, ciao. Ouais, transition cycliste de premier ordre en termes de qualité et de sécurité.